content de réintégrer ce tournoi à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Donc je joue le Master 2 avec Christophe Ola. Très content de me refaire confiance parce que voilà, je reviens de blessure. J'espère faire une très bonne saison estivale. Des compositions intéressantes, je pense qu'il va y avoir des bonnes parties, justement avec des, un panache de joueurs espagnols et français, donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être un tournoi super intéressant parce que justement on va avoir des oppositions un peu inédites, donc ça promet. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se préparer comme il faut et donner le maximum le jour J pour essayer d'arriver en finale et pourquoi pas de gagner. Je réintègre donc l'équipe de Saint-Jean-de-Luz cette année, très, très fier, surtout que voilà, je me suis blessé dans les phases finales du championnat de France cet hiver. Cette année en plus je joue deux fois contre mon coéquipier Julien Itzag. Maintenant on a l'habitude de jouer ensemble, maintenant on va jouer contre et on va voir ce que ça va donner. Super tirage au sort, c'est vrai que 2016 va être un super cru, de la qualité dans tous ces joueurs. La grande évidence cette année, c'est d'avoir retrouvé Goïko sur les canchas lusiennes et bien sûr Irasorza, la star lusienne. Donc voilà, des confrontations très très bien équilibrées. Effectivement, pour se qualifier pour le Grand Slam, ce sera vraiment des tâches un peu difficiles pour nos Français, je sais bien. Mais je donne une grande chance quand même à des joueurs comme Irasorza et ainsi de suite pour nous faire des choses magnifiques cet été. Alors vivement le premier tournoi et vivement que les étincelles de 2016 se passent dans de super conditions.